La théorie de l'esprit, la clé de la connexion entre les personnes, c'est le thème que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Bonjour, c'est Pascal de la chaîne YouTube Magique Pascal. Tous les mois, des tours de magie rien que pour vous. Les cartes Zener sont un jeu de 25 cartes correspondant à 5 x 5 symboles formés d'un nombre de lignes croissant. Cercle, croix, vague, carré et étoile. Inventées en 1930, elles ont été utilisées lors des premières recherches quantitatives effectuées dans le domaine de la parapsychologie. L'expérience réalisée avec les cartes Zener vise généralement à déterminer le taux de clairvoyance d'un sujet. Ces cartes ont été reprises dans le monde de la magie par les magiciens et mentalistes pour établir des expériences avec les spectateurs uniquement avec la pensée. Le cerveau est une machine prédictive. Utilisée à bon escient, nous réalisons des miracles dans le spectacle de la magie. Pour suivre mes nouveautés, cliquez sur s'abonner en activant la cloche. Je vous propose tout de suite une expérience incroyable en compagnie de Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour à vous. Alors Brigitte n'est pas du tout au courant de ce qui va se passer maintenant. Pas du tout. Brigitte. Oui. Veux-tu avec moi effectuer une expérience? Je suis toujours partant, toi. Mais tu sais pas de quoi on va parler? Pas du tout. Très bien. On va parler de parapsychologie. D'accord. Je ne sais pas si tu y crois. Enfin bref, j'ai ici des cartes que je vais sortir. Regarde. Elles sont jolies. Alors, à noter que ces cartes ont été fabriquées par Olivier Desquin, que je remercie énormément. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Ouais. Très bien. Alors, je t'explique, je vous explique. Les cartes que j'ai représentent les 5 signes des cartes ESP, des cartes Zener, la vague, la croix, le rond, le carré et l'étoile. D'accord. Et ceci de dans chaque paquet. D'accord. D'accord. Parfait. Alors, c'est très simple. Tu vas prendre un paquet. Moi, je vais prendre un paquet. Tu peux les mélanger si tu veux. Enfin, aucune importance. Parce que je vais t'expliquer un peu comment ça va se passer. D'accord? Donc, tu me les montres pas. Moi, ce que je vais faire, Brigitte, écoute-moi bien. Je fais que ça. Je vais poser une carte. Ouais. Et une fois que je vais l'avoir posée, je vais mentalement te l'envoyer ici. D'accord. Tu réfléchiras et l'impression que tu auras reçue, tu poseras la carte sur le tapis en une pile. D'accord? Tu es où? Jamais sur le... Tu poseras. Simplement. Simplement. D'accord? C'est moi qui commence. Hein. D'accord. Allez, c'est parti. Regarde-moi. C'est plus l'impression que je vais t'envoyer. Vas-y. Et tu poses là, pareil comme moi. Voilà, tu poses ici. Je vais essayer de t'envoyer ça. Attends, 2 secondes. Vas-y. Parfait. Vas-y. Je vais essayer de t'envoyer celle-ci. Ok. Et enfin, celle-ci. Attends. Bah, il t'en reste une. Bah, tu la poses. Parfait. Nous sommes arrivés au déroulement du tour. C'est que nous avons chacun posé les cartes sur le tapis. Je t'ai envoyé des impressions. D'accord? Tu es tout à fait d'accord avec moi. Maintenant, ce qui serait intéressant, donc tu prends ton jeu comme moi en main, d'accord? Et là, ce qu'on va faire, on va poser la première carte sur le tapis, d'accord? Alors, ce qui serait très drôle, on va les retourner en même temps, face en l'air, et ce qui serait drôle, c'est que les impressions que je t'ai envoyées soient les mêmes, d'accord? On y va doucement, tu retournes en même temps que moi, paf. Oh. Ah, c'est trop fort. On y va doucement pour la deuxième, pareil, on pose à côté, on retourne. Je reviens pas. Regarde, vas-y doucement, lentement, et tu retournes. Oh, mais c'est ma fille.
Regarde, tu prends doucement et tu retournes. Ah, mais c'est incroyable. Et enfin, bien sûr, la dernière, la vague. Non, mais c'est... Je sais pas quoi dire. Ah, carrément, je m'y attendais pas. Et voici la force des cartes ESP avec le travail, tout le travail qu'il y a derrière. Je voulais remercier encore Olivier Dequin parce que, figurez-vous, que ce n'est pas d'origine sarotine, mais lorsque vous achetez les cartes d'Olivier Dequin, il vous livre plein de routines. Et avec rien que ces routines-là, vous pouvez faire une panel de choses aussi extraordinaires que celle-ci. Mais j'avoue que c'est fort. Voilà. Eh bien, mes amis, j'espère que cet effet vous a plu. En tout cas, si ça vous a plu, likez, laissez-moi un petit commentaire. Car très souvent, on like pas, on laisse des commentaires. J'aimerais bien qu'il y ait des likes, des commentaires. Voilà. Brigitte et moi, on se donne rendez-vous avec vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, passez un très bon week-end. Allez, ciao les amis. Bye bye. Ciao.